Bonjour tout le monde, c'est Eve. Je voulais vous présenter aujourd'hui Oracle of Mystical Moments de Catherine Wellstein. J'espère que je n'ai pas déformé son nom. Alors, c'est un oracle qui a été créé à partir d'éléments inattendus de la nature et de l'imagination. Ce sont des collages et elle crée un univers très imaginaire, onirique et qui est un excellent support pour les guidances intuitives. Même si vous ne comprenez pas le livret qui est en anglais. Il suffit de regarder les images et de laisser cours à son intuition parce que je vais vous montrer comme il est très beau. Voilà, donc c'est un tout petit coffret qui mesure 14 cm à peu près sur 8. Voyez, c'est pas un très très grand format mais qui est très soigné. Je sais pas si vous voyez, je vais vous faire la mise au point. Hop, voilà. Il y a des embosses argenté. Voilà, vous le voyez bien. Je vous laisse lire le dos. Le livret propose des petits messages très courts de guidance qui sont plein de sagesse. Et il s'ouvre ainsi. Là, on voit bien les... Le livret est ainsi. C'est un livret tout simple. Je vais quand même vous montrer. Voilà, on passe directement en fait au message des différentes cartes. Et il y en a en tout 52. Je vous montre le type de message. Donc on a le nom de la carte, le numéro de la carte, des mots-clés, une description de la carte pour faire le lien avec le thème, et puis le petit message de guidance. Voilà. Alors, si vous ne voulez pas l'utiliser comme support de guidance complètement intuitif, c'est-à-dire qu'en se servant uniquement des visuels, vous pouvez regarder sur la chaîne, j'ai mis une vidéo pour mon astuce pour traduire les jeux facilement et rapidement de l'anglais au français. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Quant aux cartes. Le dos des cartes est comme ça. Et on va regarder les très belles œuvres. Alors, on ne voit pas du tout dans l'ensemble que ce sont des collages. C'est vraiment très très bien intégré à l'univers. Il y a un travail sur l'image qui fait qu'il y a tout un univers, une ambiance qui est là et qui font le tout en fait, qui font les collages. Je l'aime beaucoup celle-ci. La mère qui protège son petit, je ne sais pas si vous voyez. Et on peut très bien comprendre le sens de la carte en regardant tout simplement les illustrations et les symboles. Alors pour ce jeu, comme beaucoup d'autres, j'ai mis en place sur Graines d'Éden des tirages de cartes. Que vous puissiez l'essayer, vous choisissez entre plusieurs cartes et puis vous voyez comme ça le type de message. Là pour le coup c'est pas comme les guidances où j'écris moi-même les messages. Là pour le coup j'intègre directement les messages que proposent les auteurs des oracles qu'on retrouve donc dans les livrets.
le petit détail. Alors celle-ci, c'est celle qui illustre le boîtier. Je remonte les petits détails de celle-là. Et voilà, les cartes font du à peu près 13 cm sur 7. C'est le format à peu près classique d'une carte de tarot. Voilà, puis elles sont légèrement satinées. Et elles sont pas très très épaisses, mais bon. Voilà pour ce très très beau jeu. Mystical. Oracle of Mystical Moments, pardon. Et puis je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à bientôt.